précédent. Celui qui vient le dernier, c'est celui qui était avant. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit rien? Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas, il faut pas faire des exercices les dimanches. Verset 28. Exode 1:28. Fils d'Abraham. C'est qui? Isaac. Et Ismaël. C'est vrai ça? C'est vrai ça? Non. Fils d'Abraham, on devait commencer par. Mais si on dit fils d'Abraham, Isaac, Ismaël. Voici leur postérité. Nebajot, premier-né d'Ismaël à. À table du nom. Le premier-né. On a commencé à compter qui? Isaac, après. Pour compter les enfants, on commence par compter les enfants de Ismaël. Ça dit, Isaac, Isaac ne peut pas être manifesté avant. Celui qui doit être manifesté avant, c'est Ismaël. Bien que l'esprit est avant, mais c'est la chair qui doit être manifestée. Et l'esprit viendra après. Jésus était avant Jean-Baptiste, mais dans la manifestation, c'est Jean-Baptiste qui vient avant. Mais quand il voit Jésus, il dit, celui que vous voyez était avant moi. Ce sont des exercices qu'on va faire après. Donc quand Jésus est né, le dénombrement commence. On comprend que le vrai recensement, c'est dans Jésus. Donc sans Jésus, Abraham ne peut pas être compté. Ni Isaac, ni Jacob. Ça veut dire que tous les prophètes sont comptés par Jésus. Je vous ai donné seulement l'idée de l'enseignement. Là, je commence les premiers dénombrements. Écrivez ça et on commence. Exode chapitre 12, verset 37-38. Il est écrit. C'est un enseignement qui va beaucoup vous aider, alors suivez-moi très bien. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot. Environ 600 000 hommes.